Voilà, donc bonjour, je voulais Bonjour. savoir par rapport au BTS ELEC, comment ça fait ton choix Moi c'est simple, à l'origine je voulais pas faire cette filière-là, pour des raisons personnelles et tout. Mm-hmm. Et du coup je me suis réorienté dans ce choix-là parce que les métiers de l'électricité, et dont le BTS électrique, sont un bon avancement quand même pour déjà avoir un diplôme supplémentaire et avoir plus de facilité à l'embauche milieu du travail. Et surtout, principalement, les métiers qui sont dans les catégories du chantier ou autres auront beaucoup de filières d'embranchement futurs. Comme par exemple tout ce qui va être la domotique, l'électricité générale, l'électricité spécialisée, par exemple les maintenances pour les ascenseurs. Oui, tu vois que c'est un métier dans lequel tu as une palette d'activités. Il y a beaucoup d'embranchements. Et du coup, on aura déjà plus de facilité à choisir notre voie, vu qu'on aura plus de possibilités. Et ne pouvant pas pour l'instant, n'étant pas dans un futur où on peut être remplacé par des robots, on aura forcément de l'emploi quelque part. On aura beaucoup plus de facilité dans ce genre de filière-là à avoir de postes à droite à gauche. Donc toi, tu as réfléchi de ton moi, choix par rapport à... Par rapport à l'embranchement de la possibilité de poste. Au départ, ta formation, c'était quoi? À l'origine, c'était en troisième, je voulais faire animateur dans les centres aérés, donc un truc qui n'est pas du tout... Ça, et vu qu'il n'y avait que deux embranchements, il n'y a pas assez de débouchés, donc je me suis dévié vers mon autre passe-temps, tout ce qui était bidouillage, construction, et l'électricité est vachement bien parce que, comme je vous ai dit précédemment, on peut avoir plusieurs filières. Par exemple, il y a ceux qui sont vraiment dans la précision, qui aiment tout ce qui va être la précision, ils pourraient faire les systèmes numériques. Mm-hmm. On a une filière ici, SN. Mm-hmm. On a aussi, comme moi là je suis en ELEC, donc ça va être tout ce qui va être les métiers des environnements électriques et connectés. Pour pouvoir faire un BTS ELEC, on peut passer par le bac pro MELEC qui est au lycée juste à côté à Louis-Lumière. À Louis-Lumière, avec des profs qui sont vraiment très sympas. Monsieur Buret qui est vraiment un très très bon prof, qui explique très bien et qui est l'un des profs qui m'a donné envie de ça. Et non, vraiment, l'électricité, c'est une bonne filière si on aime toucher à tout, qu'on aime le travail aussi de chantier, parce que... J'ai remarqué que vous étiez très à l'aise, bon, c'était ton côté animateur, très à l'aise dans la gestion du pilotage de chantier. C'est ça, j'aime bien piloter le chantier parce que je sais comment se passent les choses. Et que ce qui est bien quand on a... Parce que si je ne me trompe pas, vous m'aviez filmé aussi précédemment. Ce qui est pas mal aussi quand on fait du BTS par rapport au, quand on continue sur un BTS, c'est qu'on a cette épreuve de chantier qui nous nous forme à être non pas ce que les gens pourraient appeler un grouillot, mais un chef d'équipe. Et ça nous permet de voir que ça casse un peu les pensées qu'on pourra avoir où tout doit être comme ça. Non, on peut très bien nous donner des directives un jour et que le lendemain le client nous dise au final on va pas faire comme ça, et ça nous force à nous adapter et à trouver des solutions. Ça nous met aussi une pression parce que le client veut aussi, on a toujours les délais à respecter. Si on respecte pas les délais, ça fera une mauvaise image de l'entreprise, et de fil en aiguille, mauvaise image, moins de clients. Alors si tu devais garder dans tes deux années de cursus ce que tu as le plus préféré, là où tu t'es vraiment senti bien? Ce que j'ai le plus préféré dans ces deux années de cursus, ça a été tout ce qui est la partie chantier, tout ce qui va être manuel. N'étant pas quelqu'un de très à l'aise, on va dire, dans la partie théorique, c'est pas celle que j'ai retenue principalement, mais comme je le dis à beaucoup de personnes, la partie théorique ne va pas sans la partie pratique et inversement.
Et faut quand même se booster si on a des difficultés ou des lacunes dans les parties théoriques ou inversement, tout ça. Mais ça permet aussi de vraiment s'orienter principalement dans nos... comment on peut expliquer ça ? Dans nos difficultés, ouais.